Salut tout le monde, c'est Diabolique 2113, comment ça va? Écoutez, moi je vais bien, j'espère que vous aussi. On se retrouve pour la suite de notre compétition Défi des abonnés. Je tiens à vous remercier beaucoup parce que j'ai vu que vous étiez énormément allé regarder cette vidéo, qu'apparemment cela vous a beaucoup plu, enfin en tout cas cela vous a plu. J'ai eu quelques recommandations de une... Change de nom, c'est Rony HD qui l'a fait avant toi. Pardon, je m'emporte, je m'en fous, voilà. Ça c'est fait, je suis désolé, j'ai écrit dans les messages. Écoutez, c'est pas parce que quelqu'un a fait une série sur les défis des abonnés que moi j'ai pas le droit de le faire, ou que j'ai pas envie de le faire, enfin voilà, enfin bref. Je le fais parce que j'ai envie, parce que j'ai pensé à vous, parce que je vous ai demandé de me dire une équipe. Et voilà, enfin, ça c'est la petite parenthèse, moi agréable, mais je m'en fiche, j'ai répondu sur YouTube et on n'en parle plus. La deuxième c'était, mais Boateng on aime aussi. Ah voilà, j'ai mis Boateng on aime aussi. Je vous avoue, je ne l'ai pas testé, si, j'ai fait un match avec. J'ai fait un match avec une autre équipe et puis franchement, j'ai pas vu ce que ça a donné parce que c'était tellement pourri. Enfin, tout le match, hein, toute l'équipe était pourrie, c'était pas que lui. Donc je vais voir maintenant ce que ça va donner sur ce match-ci. Par contre, je vais appliquer une carte morale à toute l'équipe, comme ça c'est fait. Et j'ai dit aussi que j'allais punir Torres. Parce que le dernier match qu'il m'a fait était juste pourrave. Donc j'ai puni Torres, j'ai mis sur le banc et j'ai mis Balotelli à sa place. Balotelli qui a rejoint l'AC Milan, hein, on l'a vu. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je l'ai encore en version à Manchester City. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas pu mettre avec Boateng au milieu. Donc voilà, ça c'est l'équipe qu'on va utiliser. Je dois vous avouer, c'est vrai. Ah oui, aussi, je me suis trompé dans ce que j'ai dit quand c'était impossible d'avoir zéro de collectif. C'est faux, c'est possible. La preuve, regardez, j'ai essayé. Je dois vous avouer, je peux pas jouer avec ça. J'ai fait un match, justement, c'est celui que j'ai fait avec Boateng. Je me rappelle maintenant, et c'est juste injouable. Alors oui, regardez, si on met Rooney par exemple en BU à la place de AVG, on va obtenir un de collectif parce que sa formation, elle lui plaît pas vraiment, mais ça peut encore le faire. Elle n'est pas en rouge, elle est en orange. Par contre, le dispositif n'est pas le bon. Enfin, la place, pardon, est plus ou moins bonne, mais pas correcte. Par contre, si on prend Diallo, on voit ici Yannick Diallo. Il n'a pas le bon dispositif, il n'a pas la bonne position, donc collectif 0. Voilà. C'est le seul que j'arrive à avoir à 0 parce que, bah, pareil, Balotelli, s'il lui plaît, donc il a un collectif de 1. Enfin, quand je dis ça lui plaît, voilà, c'est relatif. Pareil pour les milieux, parce que soit MG ou MOC ou MC, quand on les met sur des places, que ce soit au milieu de terrain, bah, ça leur plaît un petit peu. Enfin, pas dire ça leur plaît, c'est pas, voilà, c'est en orange, c'est pas en vert, voilà, vous comprenez. Donc ils ont des collectifs de 1, lui il a un collectif de 2. Et puis par contre, bah, les DC, les DG, la défense un peu difficile à de les inverser ou de les changer. Donc voilà, donc ils ont un collectif de 4. Et le gardien, ça c'est impossible à part de mettre un BU ou un défenseur au but, voilà. J'ai essayé avec un collectif de 27, c'est juste injouable. Je suis désolé, je peux pas jouer avec ça. Je peux pas proposer un match avec ça parce que je vais me faire péter 6-0 ce que j'ai eu avant. C'est juste injouable, c'est pas possible. Même si c'est un défi, je sais, il faut quand même que ça reste jouable le minimum. Avec des lignes rouges entre tous, je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc on va réessayer, on va faire le deuxième match. Comme ça, bah écoutez, j'attendrai vos retours après si ça vous va ou pas. Hein. Vous me direz non, diable, c'est pas bien. Faut... Bah, alors oui, t'as raison. Enfin bref. Allez, dirigeons-nous vers les quarts de finale. On a vu que la demi-finale, on a gagné 3 à 1. On va essayer de se qualifier pour la demi en remportant ce quart. Allons de suite trouver un adversaire. J'espère un adversaire pas trop dur, hein, qu'on puisse quand même faire un match. Correct. Si on arrive à trouver quelqu'un, bien sûr. Mais voilà, c'est fait. Je dis toujours cette phrase et dans la seconde, on trouve un adversaire. Allez, je me mets en noir, même si c'est pas ce que je préfère. Je préfère jouer avec mon Benfica rouge. Allez, alors on a du Brésil devant.
avec un Lucas PSG, du Ramirez, de la BBVA, du Brésil en fait. Oh, c'est du Brésil à part Lavezzi et puis le gardien de l'Inter et le DC que j'arrive pas à mettre son nom dessus. Chiellini, c'est possible? Je sais plus. Je veux pas dire des bêtises. Le DC italien. Voilà, bref. Allez, allons-y, on se met en défensif. On va essayer de faire un match correct, quelque chose de potable, faire circuler le ballon. Reus, Gaëtan Boost, bien sûr. Balotelli, Boateng, il y a vu Evra qui se décalait, qui va centrer direct. Ah non, c'était un centre que je t'ai demandé, Evra. Oh, joli retourné. Faire attention parce que ces défenseurs sont juste. Enfin, ces défenseurs. Oh là là, ce qu'il met! Ces attaquants, pardon. Oh là là, ça commence très fort, très très fort. J'ai une chance énorme là. Et là, il y a faute, arbitre. Mais on va rien dire. Allez, on va rester concentré. Pépé, c'est bien. Je disais, ces attaquants sont juste super rapides. Wellington, il a pas tout son frère aussi. Peut-être un peu moins rapide, mais juste énorme. Ah oui, il y a Lucas. C'est Lucas PSG. Oh là là. J'ai peur, maman, j'ai peur, je vous assure. En plus avec cette équipe. Ah, il y a Pato, attention, on va tirer. Alors, dégage. Bien joué, Weiss. Voilà. Allez, Boateng. Bien joué, Reus. Très bien, Reus. Ouh. Ouh là là. Ah, Boateng. La peine, hein, Boateng. Hein. On a vu. On a vu aussi qu'ils étaient lents. Hein. Alors, je me reprends. On avait vu qu'ils étaient lents, je disais, dans le dernier match. Qu'ils ont un petit peu de peine à réagir, donc il faut vraiment que j'anticipe. Voilà, mais par contre, vous n'avez pas vu le match que j'ai fait avec l'autre équipe que je vous ai montré avant. C'est pire. Franchement, c'est pire. C'est juste injouable. C'est impossible. Allez, Pato, on va pas se laisser déborder. Bravo Pépé, ça c'est bien joué ça. Allez, on se dégage. Kaboul, Boateng, Ben Arfa, Ben Arfouche par là-haut. On va lui mettre. Ah non, 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 non. Pas comme ça, Reus, c'est pas comme ça. Allez, on va essayer de récupérer cette balle. On se lance pas. Aïe, 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 aïe. Ouf, bien joué ça. On sort la balle, on sort la balle, merci. Allez, ballot. Vas-y, ballot. Reus. Ben Arfa. Balotelli. Ben Arfa. En bas, en bas, en bas. Bien joué, ça. Ça, c'est bien vu, ça. Allez, Gaëtan. Vas-y, Gaëtan. Va au fond, on va centrer. Et non, on revient en intérieur. Ben Arfa qui avait décalé. Boateng, Boateng. Ah, pas réussi, pas réussi. Je me suis toujours pas mis en. Ah, j'ai oublié de nouveau de me mettre en occupé. J'oublie tout le temps ces temps-ci. Aïe, 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 aïe. Oh, ça c'est joli! Ben Arfa! Oh, dommage! Oh, Ben Arfa, ce que tu me loupes. C'est juste pas possible. Allez, Jean Pereira, tu mets la tête de Pépé. Oh, mais Pépé! Mais Pépé, non, s'il te plaît! Comment tu fais pour louper ça? Elle est déposée sur ta tête. Juste à la mettre au fond. Aïe, 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 aïe. Allez. Bien joué, Evra. Ça, c'est propre. Ça, c'est bien joué. C'est bien fait. Tu montes en plus. C'est magnifique. Vas-y. Allez, Evra. En centre. Ça, c'était pas un centre. C'était un tir. En même temps, si je me trompe de bouton et puis je lui dis tirer, il va tirer. Ce qui est logique. Donc, ma faute. Bien joué ça. Allez, vas-y, Ben Arfa. Oh là là, joli. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Oh! Et de nouveau. De nouveau. Il met le pied juste au moment où je vais tirer. Aïe, aïe, aïe. Kaboul. Reus. Reus, boum, Reus. Non, t'es trop loin. T'es gourmand, t'étais trop loin. Oh, par contre là. Aïe aïe aïe. J'ai peur. Oh, ça, c'était un joli tir. Beau tir de Wellington.
Heureusement pour moi, parce qu'il aurait vraiment pu mieux faire. Hein. Il avait vraiment le temps. Oh Non! Pardon, pardon, je m'excuse, mais là c'était énorme fail, hein. Il nous met deux poteaux alors qu'il peut juste la pousser au fond. Merci, j'ai vraiment beaucoup de chance sur ce coup-ci. Je m'excuse, là c'était méchant. Pas rire de mon adversaire comme ça. Parce que là, oh là là, le pauvre. Ah, il doit rager, moi j'aurais ragé, là j'aurais pété ma manette, hein. Aïe aïe aïe, il va se venger. Il va se venger. Il a pas aimé, il va se venger. Je suis désolé, faut que je me refraîne. Oh là là. Allez, Vice. Ah, mais Evra sur la gauche, là. Evra, il est bon, c'est aujourd'hui, il est en forme. Il fallait, voilà. Il fallait que je fasse un compliment pour qu'il me fasse de la merde. Comme d'habitude. Allez, Pépé. Evra. Gaëtan. Luis Gustavo. Ben Arfa. Reus, Boateng qui a vu Balotelli qui se démarquait. Ça, c'était bien vu. Hop. Ah, dommage, je ne passe pas. C'est pas passé comme je voulais. Allez, on les récupère. On se lance pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de chance sur ce match-ci. Je sais pas pourquoi. Et j'en profite pas. Il faut vraiment que j'en profite parce que sinon. Ça va pas le faire. On va pas s'en équilibrer. Bien vu, Evra. Très 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 bien vu ça. Belle défense. On relance avec Kaboul et Gaëtan. Gaëtan. Il m'attaque pas, hein. Luis Gustavo, il a, vous avez vu, il attaque pas, il attend. Voilà, j'ai fait une boulette. Il attend que j'arrive dessus. Et ce que j'ai fait bêtement là, du coup. C'est vrai qu'il attend beaucoup que j'avance avec la balle. Et c'est la mi-temps. 0-0. Match serré. J'ai beaucoup de chance sur le coup d'avant là. Par contre, j'ai la possession de balle, hein, 59%. Les tirs, il en a 9 dont 5 cadrés. J'en ai 5, donc 3 cadrés. On va voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Allez, on y va de suite. Sans perdre trop de temps. Allez, on va essayer de... Oh là là, Pato! Ouf! Encore une fois. Oh, encore une fois sauvé par le montant. Oh là là! Je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai vraiment énormément de chance. Allez, j'ai vu Ben Arfa qui se démarquait là-haut. Qu'est-ce qu'il fait à gauche? Mais c'est pas grave. Allez, Ben Arfa, vas-y, vas-y, y'a Reus. Y'a Reus. Y'a Reus. Ah! Non, elle est pas passée. Y'avait Reus, je l'avais vu Reus tout seul en bas. Aïe, aïe, attention Wellington avec sa vitesse de fou. Il va me mettre un centre là. Voilà, ça, je l'avais vu, c'était téléphoné. Bon! Merci Vice. Mais. Oh, j'ai une chance de fou! De nouveau! Et il faut vraiment que je marque un but parce que là. Ça va pas durer longtemps là. Hein. Voilà. Allez, hop, on récupère. Allez, Boateng. Reus, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà, Ben Arfa. Vas-y, Ben Arfouche. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais quelque chose. Mais je suis nul. Mon Dieu. Je suis mauvais sur ce coup-ci. Ah, oh, il est pas passé. J'ai tout le temps pour faire une passe ou tirer ou faire quelque chose. Et non, non, j'avance bêtement avec cette balle et je sais pas quoi faire. Et décidément, aujourd'hui, c'est pas le jour. Oh là là, mais non, mais non, mais non! Attention, il a mis un pâteau! Pas à côté. Ouï, ouï, ouï. Il faut vraiment que je me reprenne. Parce que là. Et voilà. Et voilà, j'ai dit, ma chance n'allait pas durer éternellement. Je n'arrive pas à marquer, ben c'est lui qui marque, c'est logique. Allez, on va pas se faire éliminer là-dessus. Allez, on se reprend.
Tiens, on a mis Psycho17 qui vient de se connecter. Bien, bien vu ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bien, Kaboul. Allez. Allez, on met un Reus. Reus qui a demandé la balle. Ah, c'est David Luiz, difficile à passer là. On va se mettre en offensif, hein, même si je n'ai pas trop joué comme ça. Mais oh là là, bien sûr, couteau droit, puis il passe. J'avais dit. Allez, Pépé. Et 2-0. Et voilà. Bravo. Ah, c'était mauvais, ça, c'était mauvais. Bon, écoutez, hein. C'était une petite série. Voilà, c'est une toute, toute petite série avec. Même si c'est pas fini, hein, mais. Hey, j'ai beaucoup de chance en début, et puis là, ça allait pas durer, hein. Allez, allez, ballot, vas-y, ballot. Boum, ballot. Et voilà, de nouveau, quand je veux tirer, il met le pied au bon moment. À se mettre au jeu, non? Ça, c'était con de ma part. Oula, encore un poteau. Ah, franchement, s'il s'y gagne, c'est pas démérité, hein. Il a, surtout avant quand on a vu, quand il y avait 0-0 à première mi-temps, où il met ses deux poteaux à la suite. Franchement, ça m'a bien fait rire. C'était méchant, je suis désolé. Je m'excuse envers lui. La faute. C'est bon. Elle s'est jouée. Allez, on se dégage. On peut faire quelque chose encore. Allez. C'est pas fini. Ah non. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Oh, Weiss. Bien joué. Allez. Mais. Balotelli, je suis à côté de toi. Qu'est-ce que tu la mets là-haut? Qu'est-ce que tu veux faire là? Celui qui tu joues. Tu t'amuses? Oh. Ah là 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 là, ça va pas ça. Quel missile, mais quel missile. Ouais, il mérite, il n'y a rien à dire. J'ai pas su concrétiser les pauvres petites occasions que j'ai eues en première mi-temps. Puis là, bah, ça pardonne pas. Hein. Écoutez, que dire. Allez, ballot. Oh. Il y a une faute. Qu'on va faire, essayer de la mettre là-bas. Hop. Boum. Bien joué, Boateng. Joli but de Boateng, allez. Ah, c'est un beau but, je n'ai pas laissé le ralenti parce que voilà, il ne mérite pas, même si. Mais non, 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 mais non. Je traîne de nouveau, je traîne. Bien joué, défense, là. Pépé est énorme, hein, comme défenseur, franchement. Reus! Oh là là! Voilà, là, on a eu tant de tirer. Allez, on va essayer de mettre le deuxième. Allez, Pépé! Ah, dommage. Allez. Oh là là, pff. Pas tôt quand il est lancé, hein. Mais ce cafouillage monstre de nouveau. Allez, Balotelli. Non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui sort. Et une faute pour lui, mais bien sûr, monsieur l'arbitre, bien sûr. Allez. Allez, on se dépêche, les enfants. Allez, on monte. Voilà. Allez, allez, allez. Oh mais non, mais applique-toi dans tes pas, souci.
C'est dommage, parce que le premier match, on avait réussi à faire quelque chose. Et puis là, celui-là est pourri. Match vraiment pourri. Une fois de plus. Là, je vais vous présenter deux vidéos pourries. Déjà celle que j'ai fait pour la Saga Africa n'était pas terrible. Alors celui-ci. Mais regardez-moi ça. Boateng, s'il te plaît. Eh, j'aurais dû laisser Paulo Machado quand même, hein. Oh là là! Ouais, la prochaine fois je laisse Machado parce que là. Et voilà! Une défaite de 3 buts à 1. Ah, c'est pas démérité de sa part, hein, je dirais. C'est mérité plutôt, je dirais même. Hein. Ah là 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 là! Ah. Alors, regardez juste les détails. 21 tirs, il fait. Mais c'est plus que mérité qu'il gagne 3-1 quand même. J'ai la possession de balle, mais j'arrive à rien faire. J'ai réussi à rien faire, vraiment. Donc, je m'en excuse. Tant pis. Écoutez, tant pis. Allez, on va ouvrir un petit pack. Avec un peu de chance, on va avoir un Ronaldo boost dessus. Bien sûr, on a le droit de rêver. Mais pourquoi pas pour rattraper un peu ce match pourri. Allez, qu'est-ce qu'il me donne pour s'excuser de ma prestation? Narsing, sauf erreur, c'est ça? Merci, merci. Oh, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci, ça me touche. Voilà. Écoutez, bah, écoute, une fois de plus, une petite défaite. Elle n'aura pas duré bien longtemps, cette série défi des abonnés, mais c'est pas grave. On en fera une nouvelle avec une nouvelle équipe. Proposez-moi ce que vous voulez. Une équipe, là j'ai envie de faire une équipe entière, une équipe complète. On va faire de l'anti-FUT. Proposez-moi une équipe entière, celle que vous voulez, d'un championnat qui n'est pas très très élevé. Hein. Ne me proposez pas, comme j'ai dit déjà il y a longtemps, ni du Chelsea, ni du Manchester, ni des grosses équipes, ni du Barça, ni du Real, rien. Hein. Je veux une petite équipe qui soit correcte, avec laquelle on peut faire des belles choses et on va essayer d'aller loin avec. Et là, je vais acheter toute l'équipe et je l'achèterai en live avec vous. Avec un peu de chance, je vais réussir à faire ça. Je prendrai un peu de temps pour le faire. Et on ira la chercher ensemble. Donc, proposez-moi ce que vous voulez comme équipe. Je me répète, je viens de le dire 4 fois de suite. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle compétition. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et allez, ciao, bonsoir.